Non mais c'est une blague! On va affiner son nez avec des fourchettes! Mais ça va pas ou quoi? Attendez, je teste. Ah, ça fait trop mal, ça fait hyper mal! Oh. En vrai, j'ai grave peur, j'ai hyper peur de faire cette vidéo. Donc les amis, priez pour moi, croisez les doigts. Et j'espère que ça va bien se passer. Let's go. Hey 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 tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo très spéciale et très particulière dans laquelle je vais vous montrer les pires astuces make-up jamais vues sur YouTube. Donc il y a 3-4 jours, je vous ai fait une vidéo très particulière aussi où je vous ai montré vraiment les pires astuces coiffure, voilà, de la chaîne 5 Minute Craft. Voilà, c'est une chaîne qui cartonne et qui propose des astuces complètement dingues et hallucinantes. Donc j'ai accepté de faire votre cobaye, voilà, de tout tester pour vous, ma make-up chic family. Donc aujourd'hui, puisque j'adore le make-up, on va faire la même chose mais avec le make-up et ça va être très 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 incroyable, très catastrophique et vraiment très étrange. J'ai très peur de ce qui va se passer, mais bref, en tout cas je sais que vous êtes là, je suis pas toute seule, on est ensemble, donc voilà, tout va bien se passer. Jeanne, respire. Voilà, ça va aller. Donc voilà, en tout cas, comme toujours, mettez plein de gros pouces en l'air dès maintenant pour m'encourager. Les amis, allez-y, je compte sur vous, faites exploser les pouces en l'air. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la Makeup Chic Family puisqu'on est plus de 800 000. 800 000, non mais est-ce que tu te rends compte? On est plus... Non mais bientôt le million. J'arrive pas à y croire, bientôt le million, c'est un truc de malade. Donc voilà, si toi t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant en cliquant juste ici de ce côté-là, tout de suite, pour faire partie de la Makeup Chic Family et voir toutes mes vidéos avant tout le monde. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche de ce côté-là également. Comme ça, tu verras mes vidéos avant tout le monde et voilà quoi, ce sera vraiment trop cool puisque j'ai filmé une tonne de vidéos. Donc les amis, c'est parti, on croise les doigts et j'envoie la vidéo dès maintenant. Let's go! Ok les amis, c'est parti, on commence tout de suite. Alors ne vous inquiétez pas, je me suis décalée un tout petit peu pour que vous puissiez voir les vidéos. Donc allons-y, je prends mon iPhone et du coup on va regarder la première vidéo. Let's go. Alors qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle nous montre son nez. Oh, une pince à épiler? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Oh my god, contouring. Oh, vous savez que j'adore le contouring, mais là je suis choquée par son astuce quoi. Ah ouais, eh, franchement la différence elle est plutôt pas mal, vous avez vu son nez est complètement affiné, tout fin. Donc écoutez, je vais essayer de reproduire son astuce et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup j'ai acheté une pince à épiler il y a pas longtemps, voilà, qui est comme ceci. Et je vais prendre ça, voilà, où d'habitude elle m'envoyait plein de petites crèmes, comme voilà des fards crèmes en fait pour faire son contouring. Donc j'ai hâte de tester, il y en a aussi ici, on a plein. Et là je vais prendre une teinte assez foncée quand même, j'espère que je vais pas faire de catastrophe, j'ai un petit peu peur. Du coup, hop, je vous montre comment c'est comme ceci. Oh, eh mais moi je suis mise catastrophe là, ça va être chaud. Mais bon, on y va. Du coup, je fais comme ça. Waouh, eh, j'ai détruit le truc. Franchement, c'est... Waouh. Je vais essayer de faire la même chose que sur la vidéo, mais mettez des pouces en l'air pour m'encourager parce que là, c'est ça craint. Donc voilà, je fais comme ça et du coup... Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, eh mais c'est un truc de fou. Je crois que j'en ai trop mis. Oh, attendez. Hop, regardez les amis, je vous montre vraiment comment je fais. Oh my god. C'est quoi ça? Oh, attendez, je le refais quand même. Jeanne, ne triche pas, fais-le à fond. Oh secours les amis. Donc après, elle prend un petit pinceau comme ça et elle vient estomper. Eh, c'est trop bizarre quoi. What the fuck? Non mais c'est quoi cette astuce? Je suis choquée. Donc voilà ce que ça donne. Oh mon dieu! Oh, c'est trop prononcé. Oh, eh mais c'est une catastrophe. Regardez ce que ça fait. Franchement, moi c'est complètement raté, j'ai l'impression. Mais d'un côté, je vais pas mentir, ça affine quand même le nez. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je sais pas si je dois mettre un pouce en l'air ou pas. Est-ce qu'on doit valider cette astuce? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça a fonctionné. Moi j'ai un petit doute quand même. Donc franchement, je sais pas quoi. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne astuce. Donc voilà, on passe maintenant à la prochaine astuce, les amis. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai hyper peur. Donc là, rouge à lèvres. Ouh, tu débordes. Ah, ça nous arrive très souvent. Voilà, quand on met un coton-tige. Quand on met son rouge à lèvres, un coton-tige. Oh, eh, c'est pas bête ça. Franchement, c'est une bonne idée quand même.
après moi je pense que je vais me rater, mais bon, on va essayer les amis. En tout cas, ouais, le rendu est pas mal. En fait, ça permet d'éviter de mettre, vous savez, du rouge à lèvres à ce niveau-là et tout sur les coins de la bouche. Donc je vais essayer, j'ai trop peur de ce que ça va donner, mais bon, c'est parti. Alors du coup, moi j'ai des petits cotons-tiges comme ça, voilà, je pense que vous en avez aussi chez vous. Donc voilà, sortez-les dès maintenant. Voilà, et elle le fait comme ça. Attendez, faut vraiment que je fasse pareil là. Jeanne, concentre-toi. Voilà, donc elle le met, ok, elle le met entre ses dents. Eh mais là, je fais un truc de fou là. Attendez, je prends les rouges à lèvres en même temps, voilà, comme ça c'est fait. Je vais prendre ceux de chez Huda Beauty, voilà, elle m'a envoyé au moins 30, voilà, 20, 30 rouges à lèvres, donc je vais prendre ceux-là. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire les amis. Donc du coup, je prends mon coton-tige et je le mets là. Exactement comme la fille. What the fuck, Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc je le mets comme ça. Je sais pas comment elle le met, elle le met comme ça, je crois. Non mais qui met du rouge à lèvres comme ça, les amis? C'est pas possible. Donc je vais prendre celui-ci, voilà, comme ceci, et hop. Non mais what the fuck? Non mais les astuces, ça va 5 minutes, quoi. Voilà, et du coup, j'essaye de mettre mon rouge à lèvres. Priez pour moi, les amis, mettez des pouces en l'air pour m'encourager, parce que là, ça va être chaud. Et elle fait comme ça. Ok. Trop bizarre. Oh my god. Est-ce que vous voyez? Et après ici. J'ai failli déborder. Pour moi, c'est une catastrophe ce truc. Et là, comme ça. La couleur, elle est belle. Elle est trop belle. Et voilà, rouge à lèvres coton-tige. Du coup, je retire et là, vous voyez un petit peu l'excédent. Et en fait, je vais voir un petit peu le rendu. Mais non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est une catastrophe quand même. C'est une catastrophe. Est-ce que vous voyez ça au niveau du rouge à lèvres? Ça va pas du tout. Le contouring du nez, n'en parlons pas. Mais je vais rester comme ceci pour faire la troisième astuce. Donc là, en fait, ça m'a un peu choquée. J'ai vu une photo complètement dingue. Toujours de la chaîne 5 Minute Craft. Et franchement, je vais essayer de la reproduire. Voilà, je la regarde en même temps sur mon iPhone. Donc voilà, ils ont pris deux fourchettes comme ça. Donc c'est une fille qui a pris deux fourchettes et elle a pincé à ce niveau là en fait pour faire ressortir l'excédent de sébum, voilà, les excès de sébum au niveau du nez. Donc je vais essayer. J'ai un petit peu peur, franchement j'ai trop peur. Encouragez moi dans les commentaires, dans vos pouces en l'air, parce que là ça va être catastrophique, je le sens et je vais avoir très très mal. Jeanne, concentre-toi. C'est parti, on y va. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire. Alors cette astuce là elle est oufissime quoi. Ah, ça fait trop mal. Attendez, j'appuie comme une folle. Oh, ça fait trop mal. Alors attendez, je regarde un petit peu. C'est dégueu, c'est dégueulasse. Mais non, il n'y a rien qui sort. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est quoi cette astuce quoi? Je comprends pas du tout à quoi sert cette astuce. Mais elle ne fonctionne pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé que ça faisait vraiment hyper mal. Et elle m'a choquée. Je sais pas si ça vous a choqué les amis. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, elle ne fonctionne pas. Donc, next. On passe à la suivante. Donc, cette fois-ci, les amis, voyons voir les dernières astuces qui ont l'air plutôt fun, mais très choquantes. Donc, c'est parti. Hop, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors. Ah ouais, son rouge à lèvres, elle le met aussi sur les paupières. Voilà, quand vous n'avez pas de fard à paupières, ça peut être très utile. Sur les joues. Ah ouais, elle en a mis un tout petit peu, hein, vous avez vu. Ah oui, très bonne idée. On peut faire son make-up, tout son make-up avec un seul produit, un rouge à lèvres. Et du coup, je vais mixer cette astuce avec d'autres astuces, regardez. Donc là, ouh, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Oh, je déteste quand on déborde et tout. Je déteste déborder moi-même, ça m'arrive pas souvent. Mais, ah, elle prend une petite épingle, vous avez vu? Oh, ok. Ah, pas mal, franchement pas mal du tout. Très bonne astuce. Et enfin, elle prend une cuillère pour la lèvre du bas. Ah, ok, avec un crayon. D'accord, d'accord. Donc écoutez, on va mixer un petit peu toutes ces astuces pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai un petit peu peur du résultat, mais c'est parti. En tout cas, le résultat est vraiment très bien. Donc j'espère qu'on va réussir aussi, nous aussi, de notre côté. Oh, donc pour commencer, les amis, si j'ai bien compris, on va essayer de faire les yeux. Alors elle met son rouge à lèvres. Donc moi, j'ai pris celui-ci, voilà, de chez MAC. Elle met son rouge à lèvres au niveau des yeux, voilà, en tant que fard à paupières. Donc voyons voir ce que ça donne. Dites-moi si vous avez déjà testé et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à tester vous aussi. Et vous me dites si ça a marché, voilà, dites-moi un petit peu
ce que vous pensez de toutes ces astuces. Donc là voilà, j'ai mis du rouge à lèvres sur mes paupières, c'est catastrophique mais c'est comme ça. Je prends un petit pinceau et là je vais estomper. Alors est-ce que ça va marcher? Si vous n'avez pas de fard à paupières, n'hésitez pas à le faire aussi. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez franchement? Ça colore les paupières, voilà, ça met une petite couleur très sympa. Et voilà, si vous allez en boîte, en soirée, peu importe, même en cours, hein, n'hésitez pas à mettre un petit peu de rouge à lèvres sur vos paupières. Je sais, c'est très bizarre. Mais en tout cas, voilà, si on est un petit peu dans le rush et qu'on n'a pas de fard à paupières sous la main ou alors de palette, n'hésitez pas à tester. Ah ouais, c'est bien, hein, franchement, j'aime bien. Oula, alors là c'est validé, gros pouce en l'air pour cette astuce, cette première astuce, j'adore regarder, ça fait un trop beau regard. Donc ensuite elle en a mis aussi sur les joues, donc là je vous cache pas que j'ai grave peur, j'ai archi peur, je suis en panique, attendez, maman, je tremble, donc elle en a mis un tout petit peu. Oulala, j'en ai trop mis j'ai l'impression, enfin je sais pas, j'ai peur, c'est super pigmenté en plus, ce style de rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Franchement, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc ensuite, il me faut un petit pinceau. Je vais prendre... je vais pas prendre mon Fenty, on sait jamais. Quel pinceau je vais prendre? Ah ouais, je vais prendre celui-ci. Tadam, celui-ci, voilà. Oh, non mais regardez ma tête. Et je pense qu'il faut estomper assez rapidement. Sinon, ça fait des traces. Ah non, ah non. Oh, est-ce que vous voyez ça? Donc ça colore, mais... Oh non, c'est trop moche. Regardez, il y a des traces là, c'est horrible. Alors là, ça s'estompe même pas. Ok. Ah non, 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 non. Je valide pas du tout cette astuce, quoi. Ça s'estompe pas. What the fuck? Oh, c'est quoi ça? Catastrophique. Une catastrophe. Je vous conseille pas cette astuce. Bref, on continue avec la dernière astuce. Donc déjà, pour l'arc de Cupidon, juste là, elle a utilisé ça. Donc voilà, j'ai des petites pinces chez moi, donc c'est trop cool. Tadam ! Et je regarde bien comment elle fait en même temps. Du coup, elle écarte comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un make-up on flic, franchement ? Oh ! Non, mais est-ce que je vais réussir ? Je sais pas du tout. Oh my god, what the fuck ? En plus, j'ai mis du rouge à lèvres sur mes ongles et tout. Ça va pas du tout. Bref, attendez, moi j'écarte bien comme elle a fait. Voilà, un truc comme ça. On prend son rouge à lèvres, les amis. Alors, attendez, il faut que je l'ouvre, sinon ça va pas aller. Eh non, mais c'est encore plus compliqué que de se maquiller tout simplement. Mais après, si ça fonctionne, ça peut être plutôt pas mal. Donc c'est parti, hop. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, on la refait, les amis. Ouh, alors là je pense pas que ça va fonctionner, hein. C'est quoi? Non mais la grosse blague, qui fait ça? Franchement, qui fait ça? Oh, non mais je crois que c'est plus simple de s'entraîner à mettre son rouge à lèvres tout seul. Et enfin ici. Et je suis tellement stressée que je tremble. Oh, je mets ma bouche comme ça. Voilà, donc... Ah non mais ça c'est, en fait ça c'est une astuce pour rater, pour tout rater, franchement pour tout rater. Et enfin on vient prendre sa petite cuillère, oui sortez vos cuillères les amis. Et du coup on fait comme ça. Et on fait comme ça. Je crois que j'en ai mis sur les dents. Oh my god. Ah ouais, j'en ai sur les dents. Génial, ça m'était jamais arrivé quand j'en mettais normalement. Donc voici l'astuce. Franchement, non, ça n'a pas fonctionné. Hein. La cuillère, je vous déconseille. Les pinces, non merci, on va éviter aussi. Pareil. En tout cas, n'hésitez pas à tester. Peut-être que ça marchera de votre côté. Mais pour moi, c'est... Non, non, pour moi, c'est un gros fail. Là. Ça va pas du tout. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ces astuces. Moi, j'ai trop kiffé les tester pour vous. Et surtout, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donnez-moi toutes vos astuces. Comme ça, je testerai pour vous, les amis. Je me sacrifie, je suis votre cobaye. Voilà, mais en tout cas voilà le make-up. Attendez, je vais terminer quand même en beauté quand même, attendez. Oh, voilà, hop et hop et je regarde le résultat. What the fuck, c'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Donc voilà le résultat, en tout cas j'ai trop aimé faire ces astuces pour vous. Voilà.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai trop aimé vous la faire, franchement j'ai adoré, même si c'était un petit peu catastrophique des fois. Donc en tout cas j'ai vraiment kiffé faire votre cobaye. Donc si tu veux que je teste tes astuces, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires tout de suite. Mettez plein de gros pouces en l'air également, comme ça je ferai encore plein de vidéos hyper fun où on rigole, on se prend pas la tête. Et voilà, vous sortirez les popcorn, on va bien rigoler tous ensemble. Donc voilà, mettez un maximum de pouces en l'air. N'oubliez pas aussi, très important, de vous abonner à la Makeup Chic Family, puisque c'est bientôt le million. Bientôt le million, c'est un truc de dingue. Et franchement, je suis choquée, j'arrive pas à y croire. Mais bref, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant. T'inquiète pas, on t'attend. Moi, je vais me remaquiller. En attendant, voilà, abonne-toi, c'est juste là. On t'attend. Je rigole en tout cas, voilà. Et n'oublie pas d'activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche de ce côté-là également. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Merci d'être là à chaque fois, ma Makeup Chic Family. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure team du monde. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. À bientôt. Ciao.